deux mots à vous dire. J'ai peur que vous ne veniez pas. Eh bien, quelle surprise! Notre aimable père la victoire, notre tigre national, sorti de sa tanière. Quel honneur! Bonjour, brillant. Alors, te voilà de retour dans ce ministère. Enfin, que veux-tu? Quand le malheur s'acharne sur une maison. Voilà bien longtemps que vos sarcasmes n'ont plus prise sur moi, monsieur le président. Ah oui. Tel un aigle, tu planes au-dessus de tout ça. Si je dis un aigle, c'est pour ne pas te dépayser. Tu dois avoir beaucoup chez tes amis allemands. Oh. Mes idées valent mieux que les vôtres. Je comprends que cela vous gêne. Tes idées? Quelles idées? Les plus hautes qui soient. Celles qui tendent vers la paix. Parce que tu crois qu'en laissant l'Allemagne faire ce qu'elle veut, tu auras la paix? La France vient de dépenser 6 milliards pour ses armées. L'Allemagne, 8. Dans 10 ans, tes idées nous jetteront dans une nouvelle guerre. Eh bien, s'il m'était impossible d'éviter une nouvelle guerre à la France, au moins lui aurais-je épargné que vous soyez président de la République. Ça n'est déjà pas si mal. Alors n'oublie pas que les idées dignes d'être défendues ne poussent que sur un seul terreau, l'intelligence. Tu devrais t'en faire livrer.